Chez M2I, on n'est ni dogmatique ni partisan. On ne va pas opposer un modèle d'agriculture à un autre, on va justement, au contraire, prendre les bons côtés de chacun de ces deux modèles pour les faire travailler ensemble. Faire travailler le WWF avec la FNSEA, avec les grands de l'agro, pour avoir quelque chose qui va permettre de nourrir des milliards de personnes dans la planète en associant les talents plutôt qu'en les opposant. Je suis entrepreneur. Ce qui caractérise ce qu'on fait, c'est effectivement cette notion d'audace et surtout de collectif. On ne peut pas réussir tout seul. C'est pour ça qu'on a construit cette aventure avec des hommes et des femmes qui font aujourd'hui toute la qualité de cette entreprise. Nous sommes positifs. Et surtout, nous sommes heureux d'être là. Aujourd'hui, on célèbre un grand succès qui a été la vision globale, internationale de déploiement de nos solutions depuis le premier jour, que les équipes ont réussi et c'est vraiment à eux que je dédie cette reconnaissance. C'est la capacité de vendre de l'Australie aux Seychelles, au Rwanda ou en Amérique du Sud.